Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous faire mon haul de mars 2015. Donc cette vidéo sera séparée entre guillemets en deux parties, étant donné que pour la première je vous parle en voix off et la deuxième en voix normale. Mais ça, c'est parce que j'étais malade. Donc j'ai tout d'abord acheté un pain de fimo blanche numéro 0 et un de bleu brillant numéro 33. Je les ai achetés dans mon magasin loisirs créatifs. Avec, j'ai acheté un cadre en forme de puzzle pour un futur DIY, vous verrez tout ça. J'ai également acheté un washi tape où c'est écrit dessus Handmade with Love et pour les commandes je le trouve plutôt sympa. Ensuite j'ai acheté de la peinture ardoise noire et des petits pinceaux éponges pour pouvoir mieux appliquer. Ensuite j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Les Couleurs du Temps, je crois, ou je ne sais plus trop, bref. J'ai acheté de l'Amazing Mold Police, donc c'est comme le Silly Gum, mais c'est la pâte en fait qu'utilisent les Américaines. J'ai aussi acheté un rouleau en inox de la marque DTM. Donc je peux pas trop vous dire les prix, étant donné que je ne les ai plus. Des emporte-pièces carrés, toujours de chez DTM, ainsi que des emporte-pièces nounours. J'ai acheté aussi un set de 3 washi tape de la marque Toga, donc j'ai trouvé super sympa pour l'été. Un pot de vernis triple gloss de chez Rayer, qui est d'ailleurs le meilleur vernis selon moi. Et j'ai acheté pour tester de la crème de Whippam, et honnêtement, c'est la meilleure chantilly que j'ai testée jusqu'à maintenant. Elle a un effet super réaliste et elle tient bien. Donc voilà, et avec j'ai également pris un coulis chocolat toujours de chez Whippam. Et pour terminer, il me semble, j'ai pris 3 fioles comme ceci. Et également un petit support camé et une petite perle rose pour pouvoir la mouler. Et à cache-cache, j'ai acheté une fourre de téléphone pour les téléphones 5S, 5C, et c'est une fourre renard que je trouve trop mignonne. Donc ensuite, on passe à ce que j'ai reçu de chez Après Création. Donc j'ai reçu ça dans une lettre comme ça en carton. Donc je m'excuse si là je parle normalement, et que avant c'était la voix off, mais avant j'ai fait une voix off parce que quand j'ai tourné la vidéo, j'étais malade, j'avais plus de voix, donc on m'entendait pas, voilà. D'ailleurs, voilà, donc c'est pour ça que je fais maintenant la voix normale, vu que je peux reparler. Et si j'ai pas le même vernis, voilà, c'est parce que cette vidéo est tournée plusieurs jours consécutifs en fonction de quand est-ce que je reçois les colis. Enfin, bref, donc je vais tout de suite ouvrir ça. Donc il y a du scotch, donc je vais prendre un ciseau et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai en fait déchiré parce que je n'arrivais pas à ouvrir et ça m'énervait. Enfin bref, donc on a... Pardon, désolée, je vous ai fait bouler. J'ai la facture avec le cadeau, donc je vous montre ça après. Et j'ai ma commande ici. Donc j'ai pas commandé grand chose, mais j'ai commandé l'essentiel de ce que j'avais besoin. Donc je vais vous montrer ça si j'arrive à ouvrir. Donc ça se présente comme ça dans un sachet plastique. Donc il n'y avait pas de papier bulle, étant donné que vous pouvez voir que c'est que des choses non fragiles entre guillemets. Enfin il n'y a rien qui peut se casser, mais voilà, sinon il y a du papier bulle, ne vous en faites pas. Voilà ce que j'ai commandé, et donc je vous dis tout. Donc tout d'abord j'ai commandé deux fois 10 mètres de chaîne MyFin argenté, et ça m'a coûté 8,20€. Donc voilà les 20 mètres de chaîne du coup. Donc elle est magnifique. J'avais re-besoin de chaîne. Voilà, je sais pas si ça se dit. Mais elle est juste trop belle, donc c'est parfait. Comme ça j'ai une bonne réserve. Ensuite j'ai commandé 5 nœuds verts à pois qui m'ont coûté 70 centimes, comme vous pouvez voir. Donc je trouve ça super joli comment c'est présenté, voilà, avec le petit truc comme ça de leur logo. Enfin voilà, donc je vous mettrai tous les liens de la boutique en barre d'infos. Et enfin j'ai commandé des cannes, donc j'en ai commandé 5 et elles coûtaient chacune 50 centimes. Donc voilà, c'était 50 centimes l'unité. Donc si ça peut faire la macro, ce serait pas mal.
Voilà, j'ai réussi à vous faire la macro. Donc il y a une canne pomme, une kiwi, une fraise, une poire et une banane. Donc voilà. On passe au cadeau. Donc j'ai eu ceci. Donc j'ai eu une paire de boucles d'oreilles américaines et un tout petit nœud satin marron. Je le trouve trop mignon, donc ça tombe super bien. Donc voilà, et avec j'ai eu un bon de 10% de remise sur tout le site des 50 euros d'achat avec le code que je cache avec mon pouce bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est vraiment super sympa d'avoir un petit code de réduction comme ça dans votre commande, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pour enfin pour terminer cette vidéo haul, on passe à ma petite commande par la Nico. Donc j'ai commandé vraiment très peu de choses, j'ai commandé que deux choses et c'était juste de la pâte polymère parce que mon anniversaire arrive bientôt et je vais faire, enfin j'ai demandé une commande plus, comment dire, plus conséquente de Fimo, mais je sais pas encore sur quel site ce sera. Donc voilà, et donc en attendant, enfin j'ai vraiment pris le strict minimum que j'avais besoin. Donc j'ai d'abord pris un pain de Fimo professionnel et c'est la couleur chocolat numéro 77. Donc voilà. Donc pour les prix, je pourrais pas vous les dire vraiment comment ils sont réellement. Et ça paraît bizarre. Mais parce qu'en fait, comme c'est, je crois, ma 4 ou 5e commande sur le site. J'ai remarqué qu'en fait quand je me connectais avec mon compte de commande, les prix, tous les prix sur la boutique baissaient de 1€ et quelques. Donc voilà, c'est vraiment super chouette ça. Du coup, c'est fait que j'ai eu, enfin pas tout baissait de 1€, ça dépendait par rapport au prix de base de la chose, mais ça baissait, donc je pourrais pas vous dire le prix initial à cause de ça, mais le prix auquel j'ai les... mais je l'ai payé donc 2,37€, je crois que c'est un tout petit peu plus cher normalement. Donc voilà. Et enfin, deuxième article de ma commande et dernier article, c'est ce gros pain de pâte Trémo et cru, donc en 454 grammes. Donc voilà, j'ai refait vraiment le stock parce que c'est ma pâte préférée, voilà, je pense que vous le savez. Du coup j'en avais presque, je n'ai plus. Et cette pâte là, cette couleur de pâte, ouais, et cette pâte là, bref, je la trouve pas chez moi, je la trouve que sur les sites français ou en France. Et du coup, j'en ai profité, voilà, pour prendre du gros stock, comme ça je suis tranquille pour un long moment. Donc voilà, et pareil, je crois que normalement ça coûte 13 ou 12€ le pain comme ça. Enfin quelque chose, mais je vous laisserai aller voir sur le site. De toute manière je vous mets tous les sites en barre d'infos. Et donc elle m'a coûté 11,25€. Voilà, mais comme je l'ai dit avant, c'est un tout petit peu plus cher normalement si vous commandez pour la première fois. Enfin voilà, donc sinon je n'ai pas eu de cadeau étant donné que il vous offre un petit cadeau à partir de 15€ de commande et que j'étais à 13,62€. Donc voilà. Sinon j'ai payé 8,60€ de frais de port, mais le colis était vraiment lourd, voilà, il faisait plus de 562 grammes, donc voilà, et en plus que j'habite en Suisse, hein, voilà, vous savez tout ça. J'ai payé assez cher cette fois-ci, mais c'est surtout pas, j'ai commandé de la pâte, mais généralement quand je commande sur ce site, là je commande pas forcément tout le temps de la pâte, du coup ça me revient un peu moins cher, enfin bref. Et donc voilà, j'ai utilisé un code de réduction, donc je vous mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez aller voir, un code de moins 10% sur la commande, ce qui fait que ça a aussi baissé le prix. Enfin voilà pour toute ma vidéo haul. Donc voilà pour mon grand haul. Enfin mon grand haul. Il y avait quand même pas mal d'articles. J'espère que ça vous aura plu, que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps. Et pareil, je vous invite à aller voir la barre d'infos pour checker tous les liens. Je vous fais demain un bisou et je vous dis à très vite. Salut!